Je m'appelle Benoît Bonello, je suis directeur de l'innovation sociale pour, pour Suez sur la France. Je suis Johan Malbranc, directeur d'agence au sein de la société Suez. Du coup, moi c'est Cassie, j'ai 24 ans, je suis sur Tapage depuis mes 19 ans environ. Moi, l'objectif dans mes missions de directeur de l'innovation sociale, c'est de développer cette collaboration avec notamment les acteurs du monde social, du monde de l'économie sociale et solidaire. Alors aujourd'hui, dans le cadre de réponse aux appels d'offres, on développe toujours une approche multipartenariale et avec des partenaires locaux. Ça, ça peut être un axe de différenciation intéressant pour, pour une entreprise comme Suez, mais pour finalement n'importe quelle entreprise qui peut travailler avec des, des, des collectivités. Parce qu'on euh, amène euh, donc une prestation euh, et en même temps on amène une dimension sociale et on vient répondre à un problème euh, ou à des difficultés que peut rencontrer le territoire et participer du coup euh, à la solution finalement, grâce à Tapage. Euh, J'ai connu Tapage France à ses débuts. Euh, puisque, euh, puisque j'étais euh, à Bordeaux, je travaillais euh, déjà chez Suez, et c'est là que j'ai fait la connaissance de, de Jean-Hugues, qui, euh, qui revenait du Canada avec, euh, avec cette innovation. Et, euh, et très vite, on s'est rendu compte qu'avec Tapage, il bah, y avait des synergies très opérationnelles, très concrètes, qu'on pouvait mettre en œuvre. On a, on a commencé par des expériences euh, ponctuelles, pour apprendre à se connaître, euh, du désarchivage de, de locaux, euh, du, du déménagement euh, de, de mobilier, euh, euh, dans, dans certaines de nos, de nos filiales sur le territoire. Et puis, on, on est allé progressivement, euh, voyant que ça fonctionnait bien, euh, vers des réponses à appels d'offres, et en particulier la réponse euh, à l'appel d'offres de propriété urbaine passée par la métropole de, de Bordeaux pour la ville de Bordeaux, euh, dans lequel TAPAGE euh, euh, est co-traitant, puisqu'on a répondu en groupement avec des acteurs euh, à fort impact social dont, dont fait partie TAPAGE. Et TAPAGE a, a deux missions principales, à savoir désherber de manière manuelle. L'ensemble des rues, des places et de la voirie du, du cœur historique de, de Bordeaux. Nos équipes Suez bénéficient d'une application sur smartphone, donc une application cantonnier, qui permet de cartographier le, le travail des collaborateurs dans les, dans les rues de la ville, de faire remonter des anomalies liées à des déchets ou autres. Et l'étape bénéficie également de, du smartphone et de, de, de cette application. Alors en fait, l'application, elle nous sert à, à envoyer à ceux qui sont en haut. Quoi. Euh, où est-ce qu'on laisse les sacs euh, qui sont pleins? On peut aussi euh, leur dire où est-ce qu'il y a des encombrants, par exemple, pour prendre des photos, leur envoyer. C'est géocalisé, comme ça, une autre équipe après vient pour euh, ramasser les sacs ou nettoyer les encombrants, tout simplement. Bah, Tapage, pour moi, c'est euh, très particulier parce que Tapage est assez unique. Euh, Tapage adresse un, un public euh, en grande difficulté euh, et permet à des entreprises comme Suez de, de renforcer considérablement son impact social tout en opérant ses marchés euh, euh, de, manière, de manière qualitative. Euh, ça m'a permis d'arrêter de faire la manche, euh, de pouvoir mettre de côté pour m'acheter un camion une dehors, et ne plus être dehors. Justement, ça fait partie de ce que je trouve intéressant chez Tapage, c'est que vous adressez un public qui est un peu à l'écart ou à la marge de toute la politique d'insertion par l'activité économique. Et donc vous êtes une marche qui n'existait pas. Et donc si les méthodes, les solutions, l'accompagnement de tapage peut correspondre à certains publics ou s'appliquer, on parlait des prisonniers, la réinsertion des prisonniers, on parlait des jeunes en grande difficulté dans les quartiers, si les solutions de tapage... La logique de, de tapage peut être efficace je pense qu'on a on a besoin aussi de bouger un peu les lignes pour, pour innover dans le secteur de, de l'insertion c'est sûr Voyant que ça, que ça fonctionnait bien, maintenant ça fait trois ans hein, qu on, qu on, que Tapage travaille avec nous sur ce contrat de propriété urbaine de Bordeaux. Euh, on a essayé de pousser euh, Tapage auprès d'autres euh, territoires euh, où Suez était implanté et Tapage se développant très rapidement sur des nouveaux territoires, connecter justement euh, les équipes entre elles pour que d'autres euh, partenariats, d'autres prestations de Tapage pu puissent être achetées euh, localement et, euh, et que le, le partenariat se développe au niveau national. Je pense. En particulier à Dijon Métropole, où, euh, où Tapage opère euh, la collecte des cartons de centre-ville à, à vélo. Donc, euh, pour tout ce qui est euh, collecte en mode de transport doux, du dernier kilomètre, etc., je trouve que Tapage peut être une solution euh, intéressante. Euh, et on a plusieurs projets euh, dans d'autres territoires euh, qu'on est en train d'étudier de, 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 en ce moment. Le message que je passerai, c'est qu'il ne faut pas rester sur, sur, des, sur des images ou des a priori par, par rapport à, à certains publics. Euh, nous, euh, aujourd'hui, les tapageurs sont, sont comme un prestataire, si je peux dire, entre guillemets, lambda, et ça fonctionne, ça fonctionne très bien, ils sont même très, euh, très efficaces. Et là où on peut avoir des a priori, ben, en fait, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est déjà d'essayer de faire confiance et, et, et d'établir des partenariats solides. Avec Tapage, on a pris le temps de se connaître en fait, à Bordeaux, mais derrière, euh, la déclinaison, elle est simple. Ça, ça se met en place de manière assez simple, euh, les équipes communiquent assez vite, assez bien, et, euh, et, et les liens opérationnels se font assez naturellement. Donc, euh, donc moi, j'encourage vraiment euh, bah, les entreprises qui ont envie de, de renforcer leur impact social euh, et qui ont potentiellement des activités à sous-traiter à Tapage. Euh, donc, des activités qui demandent ben, de la main-d'œuvre peu qualifiée euh, euh, sur des tâches qui peuvent être ponctuelles ou, euh, ou même dans la durée, bah, d'essayer de, en fait.